Les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. S'il vous plaît, supportez mon channel en cliquant sur j'aime. Cliquez sur j'aime, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Alright, on va donc commencer. Si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. Le deuxième lien est juste en bas de cette vidéo. Alright, on y va. Ça, c'est ma dernière lecture du soir qui est là. Ah oui, je suis fatiguée. On y va. Ok, sur les Gémeaux. All right. Les Gémeaux, vous êtes inspirés. J'ai un ami Gémeaux là. J'espère que c'est lui. Parce que il y a quelque chose qu'il doit faire pour moi. Il y a quelque chose qu'il est censé faire pour moi. Donc, j'espère que c'est lui. Il faut être inspiré là-bas. Je vais finir ce que tu fais. Tu as mon bruit. Bref. Sur les Gémeaux, il est probable que vous êtes ici inspiré. Vous êtes ici déterminé. Vous êtes ici. Je ne sais pas. Vous avez un. Il y a un truc qui a changé dans votre énergie, d'accord? Pour une autre partie, donc vous êtes ici très créatif, as well. Pour d'autres, c'est peut-être aussi l'obtention d'un nouveau travail, l'obtention de quelque chose de nouveau, un changement de carrière. Pour certains, il y a un changement de carrière ici qui est sur le point de se passer dans votre vie, d'accord? Un changement de carrière très important. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, quelque chose que vous avez toujours espéré d'avoir. Et ça va ici être vraiment très bénéfique ici pour vous. Effectivement, je vois aussi ici des gens qui disent de ne pas être contents as well. Pourquoi? Je ne sais pas. On s'en fiche. Alright? But on a ici des gens peut-être qui vont être jaloux de votre détermination ou encore de votre créativité. You know, something like that. Pour une autre partie dans vous, il y a ici quelque chose que je ne sais pas, quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous êtes en train de perdre. Pour d'autres, faites attention, peut-être aussi que depuis un certain temps, vous n'arrêtez pas de perdre beaucoup de choses. Ça peut être des bijoux, ça peut être des affaires, des vêtements, des appareils. Donc, essayez vraiment d'être un peu plus concentré sur vos choses. Essayez vraiment de prendre soin de vos, de vos propriétés. OK? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici votre papa qui est malade, on a ici les anges qui me disent qu'il va carrément guérir. Je vois ici la guérison. On a quelqu'un qui va récupérer les forces qu'il avait perdues. Alright. Si vous êtes un homme, je vous vois ici célibataire. Pour d'autres, il est probable aussi que vous êtes connecté à un bélier. D'accord? Célibataire peut-être, mais il y a quelque chose qui manque. Un vide. Un vide que quelqu'un ressent, un vide qui se retrouve dans le cœur d'une personne. Ce vide-là est peut-être à cause de votre carrière. Pour certains, vous avez l'impression que vous avez peut-être dédié tellement de temps à votre carrière que vous avez peut-être perdu l'opportunité de fonder une famille, l'opportunité d'avoir une famille ou encore l'opportunité d'être heureux. On a quelqu'un ici qui a dû faire un choix entre le succès et l'amour et qui a choisi le succès. Vous avez toujours été, vous avez toujours dû être dur envers vous-même à plusieurs reprises parce que vous avez des rêves, des ambitions, des choses que vous voulez atteindre. Pour d'autres, il y a aussi de fortes possibilités que vous avez voulu tout faire pour être différent de votre père. Peut-être que votre père, qui a toujours été un modèle hein, pour la famille, n'était pas vraiment quand même le modèle parfait pour vous. Et aujourd'hui, vous avez ici atteint vos objectifs. Je vous vois ici, en tout cas, être à la tête de quelque chose que vous avez créé pour vous-même. Vous êtes différent des membres de votre famille, différent de vos frères, de vos sœurs. Vous faites les choses différemment. Et il y a ce succès-là, donc, que vous êtes ici créé, mais c'est un succès que, apparemment, vous êtes ici créé pour vous-même, vous seul. Et pourtant, ce vide que je ressens, c'est plus un vide qui est en rapport avec l'amour. Forte possibilité qu'il n'y ait pas d'amour dans votre vie here. On a ici quelqu'un qui ne reçoit pas l'amour qu'il veut, l'amour qu'elle veut, énergie interchangeable, homme ou femme, alright? Et pour une autre partie dont vous, vous voulez faire une pause, vous voulez freiner un peu. On a ici quelqu'un qui a toujours dit non à toute demande de, you know, c'est-à-dire
Si vous aviez des personnes qui pouvaient être vos copines, vos copains, vous avez toujours dit non, 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 parce que vous étiez concentré sur vos ambitions. Les anges ici me disent aujourd'hui, vous êtes arrivé à un certain niveau où vous voulez faire une pause, prendre une pause, prendre une pause pour vous tourner et pour regarder un peu ce qu'il y a derrière vous. Aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir accepté certaines propositions, certaines relations, certaines femmes. Aujourd'hui, peut-être même que vous regrettez aussi d'avoir voulu être autant différent des membres de votre famille. But, vous êtes prêt à fonder une famille ou peut-être même à connaître l'amour. On a ici quelqu'un qui est prêt à connaître l'amour aujourd'hui. On a ici quelqu'un qui, depuis son jeune âge, peut-être, on a ici quelqu'un qui, depuis que il ou elle a 17 ans, 18 ans, s'est toujours débrouillé seul pour faire son argent. Ou encore, on a ici quelqu'un qui a toujours été entrepreneur depuis 16 ans, 17 ans, you know. Aujourd'hui, peut-être que vous avez 30 ans, 40 ans, ça dépend. Vous voulez faire une pause, freiner la voiture, you know. Vous essayez de contempler, voir ici des choses que vous avez accomplies. Et vous êtes satisfait de ces choses que vous avez accomplies. Vous êtes très satisfait de tout ça. Vous voulez maintenant l'amour. À toi, vous voulez maintenant l'amour. Et la voilà, l'amour. On a ici une femme, peut-être, qui est une femme avec qui vous travaillez. Pour d'autres, les anges ici me parlent d'une ex. OK? C'est peut-être ici une fille du passé, quelqu'un qui est du passé, mais vous avez vos yeux tournés vers le passé. Vous avez vos yeux tournés vers une personne du passé, une personne avec qui peut-être vous aviez eu une relation. Mais les anges ici me disent que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Quelqu'un peut-être qui fait le même travail que vous, ou encore quelqu'un qui a sa propre entreprise. Mais on a ici une femme qui est une boss lady. OK? On a ici une femme qui est une boss lady. Elle a ses propres choses. Elle a ses propres, voilà, ses propres choses, sa propre entreprise, ses propres trucs. Elle est très powerful. Mais j'ai l'impression qu'il y a ici peut-être eu une dispute entre vous et cette personne. Une certaine déception entre vous et cette personne. Peut-être qu'on a ici quelqu'un qui a trahi la confiance de quelqu'un d'autre. Forte possibilité que ce soit l'homme qui ait trahi la confiance de la femme, parce qu'on a ici la fille qui a des yeux très rouges ici, d'accord? Rouge de colère. So, si jamais vous voulez retourner avec un ex, une ex, vous voulez essayer de voir s'il y a possibilité de reséduire une personne, vous voulez essayer de voir s'il y a possibilité de reprendre la femme de vos rêves. Vous voulez vraiment savoir la réponse. La suite, c'est sur Vimeo. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de cette vidéo pour avoir accès à la deuxième partie de cette lecture. Et pour ceux qui aimeraient avoir une lecture de tarot avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre lecture de tarot avec moi. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.